ouais, s'il allait, je sais pas ce qu'il allait faire. Mais je fais quoi là? Je suis où? Mais qu'est-ce que je fais là? Quelle heure il est? Pourquoi je suis là moi? Je comprends plus rien. Ils sont où tout le monde? Mais il fait nuit! Il fait tout nuit en plus! Putain, je vais me recoucher moi! Je sais même pas ce que je fais. Mais. Non, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce truc? Faut que je m'en aille! Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Mais il y en a partout! C'est quoi ce bordel? Faut que je traverse, je vais traverser! Faut que j'aille voir monsieur le proviseur là, c'est quoi ça? Putain! Non, non, non! Putain, mais j'ai l'impression qu'ils m'ont vu! Non! Ah. Allez, mais lâchez-moi! Non, non! Ah. C'était quoi ça? Putain, j'ai fait. J'ai fait un de ces cauchemars, moi. Putain, c'était quoi ça? Il y a quelque chose vraiment qui cloche dans cette école. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche ici. Faut que je me fasse des amis. Faut absolument que. Il y a quelque chose de pas normal. Faut que je réunisse du monde, faut faire quelque chose là, faut faire quelque chose. Va falloir que j'enquête sur ça moi. Et c'est vraiment quelque chose de pas très très net. Putain, j'ai encore arrivé à la bourre ou à l'école maintenant, je me suis même pas changé. Voilà, c'est bon. Mes affaires. Et si je connaîtrais du monde, ça serait plus facile là. C'est chiant. Bah, j'espère que je vais pas me faire engueuler moi. Y'a personne. C'est qui ça? Qui c'est? Putain. Ils sont vraiment bizarres les gens ici. Hein. Vraiment, vraiment. Ah, mais vous faites quoi là, vous? Ils sont vraiment. T'as dit quoi, petit? Tu devrais pas nous voir là. Chut. Ils sont bizarres. Chut. Chut, chut. Ils sont vraiment Pêche-toi bizarres. Petit Nicolas, en cours. Ah, désolé bon, pour autant, monsieur. Bon, maintenant, bon. Petit bout de nez, Nicolas, là. Tu vas montrer un peu qu'est-ce que tu sais faire. Ton camarade, il est pas terrible. De quoi, monsieur? T'as faire quoi, monsieur? Ah, là, c'est ah, toi, mon petit. Jamais besoin de moi, là. Bon, maintenant, le petit Nicolas, il va nous faire une démonstration de secours. Allez, toi, là. Ouais, tout viens faire, vivant. Allez, vite. Ah non, regarde, on va mettre là. Viens là, mon petit Sergei, viens être la victime là. Ouais, moi je veux lui là. On peut prendre. Il va se prendre un doigt dans le cul. Non, non, tu vas voir. On va faire une mise en situation. On va dire que. Non, non, c'est mort. Bon, le petit Nicolas, c'est pas le voir si je suis sa vie. Et non, tu vas voir, ça va être rigolo. On va dire que le petit Sergei, il a complètement perdu la boule aujourd'hui. Et le petit Nicolas, non. Il est là pour l'amener dans son ambulance. Quoi qu'il arrive, il doit attends, regarde, Sergei, mets-toi là-bas là, vers le panneau, s'il te plaît. Regarde, alors le petit Sergei, il est devenu complètement fou. Et le petit Nicolas, il a été appelé par les secours parce qu'il y a un malade, il est dans une salle. Et il faut que le petit Nicolas, il embarque dans son ambulance, quoi qu'il arrive. Le petit voilà. Bouton de plutôt. Ok. Voilà l'exercice, c'est parti, action. Attention, monsieur. Réaction. J'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Tu restes là, tu montes dans le véhicule et vite.
Oh, wow, wow. D'accord, on fait de l'exercice. C'est le policier à moi, il m'a appris ça, monsieur. Ah. Vous êtes vraiment de la wakaï, hein. Il vient de me casser une côte, je crois, monsieur. C'est bon, putain, là, tu montes dans l'ambulance et vite, sinon je te pète l'autre côte, ok? Rappelez-moi de plus jamais faire un exercice avec tes deux clowns, là. Non, la pratique, ça marche pas trop. Tu vas voir, toi. Ouais. Je vais te faire pratiquer aussi. Secondement, avant la fin du cours, parce qu'on arrive bientôt à la fin du cours, il va falloir aller le délégué aujourd'hui. Le délégué de la classe. Moi, qui a envie de se présenter déjà. Alors, bonjour, moi c'est la Serpillière. Enfin, Corentin, mais on m'appelle la Serpillière. Je me présente au délégué de classe. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ah, bah c'est là, Corentin, tout le monde s'en battait les couilles. Effectivement, je confirme. Oh, ta gueule. Oh putain, j'en peux plus. Hein, quoi? C'est pas possible. C'est bon. C'est pas possible. Alors, monsieur le directeur, vous vous êtes étouffé avec votre sandwich? Eh oui, c'est le sandwich, il est mal passé. Corentin, bravo en tout cas. Bref. Super. Allez, discours. On n'a rien compris. Bon, mais moi, en tant que délégué de la classe, vous doutez bien qu'on va bien se marrer, les gars. Tous les jours. A lot of us are really smart. I'm really smart. Moi, monsieur, si vous voulez. T'es déjà délégué, non? Si je suis élu. Vous me laissez parler, oui. Si je suis élu. Ouais, c'est toi qui dis ça. Ok, vas-y, je t'écoute. Mais tais-toi. Allez, un peu de. Alors, si je suis élu. Mais je peux parler, monsieur, s'il vous plaît. De République Dominicaine? Oh. Bon, si je suis élu. Voilà, je ferai en sorte que tout aille bien dans cette école. Et je ferai un groupe qui protégera notre école. Et celui qui veut venir avec moi sera le bienvenu. Et on combattra tout ce qui va pas ici, monsieur. Ils sont sérieux. Ah, enfin la récré. Bon, on va aller voir ton endroit secret. Bonne journée, monsieur. Ah, psst. Ah, je peux te parler? Viens voir. En fait, je t'explique. Ouais, ici il se passe des trucs trop bizarres, mec. Oui. Il se passe des trucs bizarres. Et je vais t'aider. Non. Ouais, je vais t'aider. Toi, tu vas faire partie de mon gang. Et quoi? Bah, en fait, il y a comme des monstres ou je sais pas quoi ici. Des trucs vraiment bizarres, mec. Fais-moi confiance. Je vais t'emmener dans ma planque là-bas et tu auras. Tu auras comme des genres de pouvoirs, tu verras, tu me suis? Ok. Ouais. Allez, bah c'est nickel. Bah après, je vais t'emmener, après, tu verras. Ouais. Viens, je vais te montrer, il y a plein de belles choses là-bas. D'accord. Tu vas voir, c'est bien. On va pouvoir s'amuser. Cool. T'as un papa et une maman? Oui. J'ai pas de maman. Ils viennent te chercher souvent ou tu dors à l'internat? Je dors ici. Ah, tu dors ici. Ah, c'est bien ça. Wow. Tu connaissais pas, hein? Non, c'est trop bien. Voilà, c'est ici. C'est trop bien. Respire les flammes. Lui faire respirer les flammes. Tiens, mets-toi près du feu. Tiens, tu vois le feu? Aspire les flammes. T'inquiète pas, tu vas pas te brûler. Aspire. Ça va pas te brûler. C'est bien. Maintenant, tu fais partie des nôtres. Ok. Et tu auras un nouvel avenir devant toi. Tu vas avoir un nouvel avenir devant toi. D'accord. D'accord ? Oui. Tu n'as plus de parents. Tu n'as plus d'amis. Tu n'as plus que moi.